T'es trop bien chez toi, danse sur ton balcon. Si t'es malin, lave-toi bien les mains. Une de bisous, juste un coucou, appelle mamie pour une recette. T'es trop bien chez toi. Oh là là, on parle. Ah bah tu tombes bien toi. À ton avis, je plante quoi? Des carottes ou de la salade? En même temps, je pensais aussi aux fraises parce que j'adore les fraises. Mais il est bien trop petit ton pot pour faire pousser plus d'une carotte. Tu préfères les carottes alors. Ah bah j'ai jamais dit ça. Bah alors je mets de la salade. Eh ben j'ai jamais dit ça non plus. Non, en revanche, ce que je te propose, c'est de faire carrément un vrai jardinet. Ah bah oui, mais alors là, c'est sûr que mon pot, il va être trop petit. Celui-là, il est rikiki, mais regarde le seau là-bas. Il est parfait. Là, regarde. Et voilà Gaëlle. Ah, ça fait plaisir d'avoir jardiné. En plus, ça sent super bon. Oui. Un vrai petit jardinet. Mais t'as de la terre sur le nez. Ah bon? Ici, là? Oui, alors, ouais. T'en as rajouté, en fait. Ah bon? Bah, pourtant, je me suis essuyé les mains. Ah oui, non, mais elles sont pas propres, tes mains, là. Bah, pourtant, je les ai essuyées avec cette serviette. Ben oui, mais à partir du moment où tu n'utilises ni savon ni eau, elles sont pas propres, tes mains. Bah, ok, bah je le fais. Alors, un peu d'eau. Hop, du savon. Et voilà. Alors, je pense que si c'est Mac Lesgui qui te l'explique, tu comprendras mieux, hein. Ah oui, si c'est Mac, c'est mieux. Bonjour tout le monde. Johan, tu ne peux pas simplement t'essuyer les mains ou les passer sous l'eau et dire qu'elles sont propres. Regarde, imagine que cette peinture bleue sur mes mains soit de la saleté ou bien des microbes comme les bactéries ou les virus, invisibles évidemment. Si je les mets dans l'eau, comme ceci, et que je les ressors, comme tu le vois, la peinture est restée, la saleté est restée. Je te rappelle que c'est le mélange savon plus eau qui nettoie et pas l'eau toute seule. Donc, lorsque tu veux te laver les mains, tu prends du savon, de l'eau et évidemment, tu vas te frotter soigneusement les mains. Comment fait-on? On commence par une main, on frotte le dessous, puis pour chaque main, le dessus des mains. On insiste bien sur les espaces entre les doigts, comme ceci. On insiste bien également sur les ongles, parce que c'est là que la saleté peut s'accumuler. On n'oublie pas le dos des mains et jusqu'au poignet. Ensuite, on se rince. On s'essuie. Et voilà, plus une trace de peinture sur mes doigts. Si, au lieu de la peinture bleue, mes mains avaient été couvertes de microbes, de bactéries ou de virus, celles-ci auraient été parfaitement éliminées par ce nettoyage. En résumé, se laver les mains, c'est laver les mains soit avec du savon et de l'eau, ou si on dispose avec du gel hydroalcoolique. Et pas autrement. Merci, Mac. Bah, tu comprends mieux, là? Ah ouais, je comprends surtout que j'ai les mains super sales. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire au revoir. Salut, les copains, puis je vais aller me laver les mains à la salle de bain. Hein. Ouais, c'est allez, mieux. J'y vais, hein. Bisous à toutes. Salut. Et on n'oublie pas qu'à la maison, on peut faire plein d'activités super cool, comme le jardinage. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas de vous laver les mains plusieurs fois par jour avec du savon, de l'eau ou du gel hydroalcoolique. Et c'est comme ça que tous ensemble, nous vaincrons le virus. Hey Gaëlle, tu peux venir m'ouvrir la porte, là, parce que je voudrais pas salir la poignée. Je vais l'aider.